Ce freeze de ouf. Salut à tous, bienvenue sur jeuxvideo.fr, CL4, non je déconne. Salut Riku, bienvenue à toi. J'espère que vous allez bien comme d'habitude, et que vous m'entendez surtout parce que regardez, bah pas le même casque, hein. C'est le casque qui sauve la mise, hein. Le casque de secours entre guillemets, le casque de remplacement, hein, parce que l'autre je l'ai pété, hein, à force de me... Le costard. À force de taper dessus, parce que j'entendais pas le son ici, tu sais. J'ai le son qui bug depuis quelques jours, là. Le son est un petit peu différent des autres fois, ouais. Est-ce que c'est gênant? On va jouer à un jeu PS4. Mais celui-là, le son ne bug pas, hein. Donc c'est effectivement le PX mes couilles, là, qui était... On a un bruit blanc. Ah, merde, c'est ce que je craignais. Alors, comment on va faire? Comment on va faire? À moins que ce soit ça, hein. Parce que la télé est allumée, hein. Attendez, je coupe le son. Le son était un petit peu faible. Est-ce que vous... Il y a toujours le son, là. J'en ai commandé un autre, hein. La semaine prochaine, c'est qu'aujourd'hui que ça va foutre la merde, hein. Normalement, je le recevrai mercredi, hein. Le son du jeu, ça grésille légèrement. Des galères de casque. Moi, franchement, je l'ai pété pour de bon, hein, donc on peut plus s'en servir, hein. Mais j'en ai commandé un autre... Qui, de la même marque, mais c'est pas le même... c'est pas le même mécouille. Hein. C'est pas le même modèle. Ça, pas du tout, ça. Il dépend... Ah ouais, mais c'est clair. Encore, j'ai pris le truc... J'en ai pris un à 20 euros. Hein. Il était moitié prix. Mais c'est vrai qu'en ce moment, j'ai pas de chance. Hein. Il est à 20, hein. Normalement il est à 40. Il était moitié prix au moment où je l'ai acheté là. Mais c'est l'un des plus célèbres, hein. Il a 15 000 commentaires sur Amazon. On verra ce qu'il vaut. On verra bien. Mais là, désolé, ça risque de vous faire chier un petit peu pour aujourd'hui. Mais bon, allez, on passe directement en gameplay. Dégage-moi ce truc. Attendez, je vais charger la partie, hein. Là on est en mode désynchro audio. Alors attendez, continuez. Normalement, c'est cette sauvegarde-là. Voilà. Vu que les temps de chargement sont assez longs, on va... c'était pas prévu que je fasse ce jeu aujourd'hui. Hein. Je devais le faire la semaine prochaine, mais je me suis dit pourquoi pas. Alors, attendez, comment on va faire, là? Le Opush Capture. Où est-ce qu'il est? Blablabla. Capture périphérique de capture vidéo. Ouais, bah, il est plus là. Alors, Opush Siena, John Siena. Ah, est-ce que c'est bon là? Yay! Bien joué, splendide. Bah, donc là, vous avez déjà reconnu, hein, quel jeu on va faire actuellement. Par contre, n'ayez pas peur du spoil, hein. Tout le monde connaît l'histoire de DBZ, donc... oui, on se retrouve avec DBZ Kakarot, hein, Jackie. On va faire ce jeu de l'amour. Je vais vous dire ce que j'en pense, hein. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est nul à chier? Est-ce que c'est pourri? Parce que, franchement, il y a pas mal de choses à dire. On est au début, hein. On va commencer l'arc Namek, hein. Donc, avec Freezer. Hein. Bon, attendez, je mets le son du jeu... Le nom du jeu. Alors... J'espère qu'on va pas avoir des bugs à la Riku Chris, hein. Parce que toi, Riku, tu nous avais dit que t'avais eu plein de bugs, hein, sur ce jeu, donc on va bien voir si ça arrive ou pas. Moi, j'en ai déjà eu un, hein. J'en ai envoyé la vidéo sur Twitter, hein, pour ceux qui ont vu. C'est un mec qui marche comme ça, là. Voilà. Le sol, il est là, et au lieu de marcher comme ça, il marche comme ça, là. Et il avance pas. Et en le touchant, je l'ai fait dépop. C'est un truc de fou. Vous, je sais pas ce que vous en pensez sur le jeu, mais... salut, le gros Clemenza, bienvenue à toi. Fini le jeu, le gars Duken, je connais pas, j'avais dit. Le live, même pas quand je me serais levé. Le peu que j'ai vu de ce jeu, ça a pas l'air ouf. Ben ça dépend. La maison de Chichi m'attend, désolé, je me spoile pas. Mais. Y a pas de spoil, tout le monde connaît l'histoire de DBZ, bordel de merde. Qu'est-ce que tu veux te spoil là-dessus, là? Enfin bref, je peux comprendre. Est-ce qu'on a fini toutes les quêtes annexes? Je peux comprendre, hein, parce que y a des quêtes annexes où tu vois certains persos, tout ça, etc. Donc oui, effectivement, et puis même la mise en scène, tout ça, je peux comprendre. Hein.
Je veux dire, à chaque fois que tu finis une saga, donc là je viens de finir Saga Africa, la saga des Saiyans, tu as le tu sais, à suivre dans DBZ, etc., un aperçu de ce qui nous attend. Et là, déjà, ça, je considère ça comme un spoil, donc tu vois... Est-ce qu'on entend les persos, là? Attendez, je remonte un petit peu le son, du coup, là. Est-ce que vous m'entendez bien par rapport au son du jeu? Voilà, Bulma, c'est plus l'actrice emblématique, hein, évidemment. Qui est morte l'année dernière, je crois, ou il y a 2 ans. Mais là, ils ont pris une voix qui ressemble beaucoup. Hein. À mon avis, ça doit pas être la seule. Hein. On t'entend très bien, Toudoum. C'est quoi ce Toudoum, là? Oh putain, on a un bug! J'ai plus d'image! Me manque des pièces. Mais putain, qu'est-ce que c'est que ces conneries? On a un problème de capture! Et vous, ça avance plus, hein, c'est freeze. Hein. Mais putain! Il arrête pas de... Ça le fait de temps en temps. Hein. Alors attendez, comment je vais faire? Je vais essayer de le brancher derrière. Eh ben, ça marche pas, là? Oh, putain. Est-ce que vous l'entendez, le Toudoum? 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 Ah, ok, d'accord. Bon, attendez, ne paniquez pas, hein, tout est sous contrôle. C'est un truc de fou, sérieux. What? Mais pourquoi ils se décident de faire ça aujourd'hui, là? C'est un bug des prises USB de mon PC, ou alors c'est un bug du logiciel de capture. Oh, what? Non, c'est la version PS4. Hein. Attendez. Alors, comment on va faire, là, du coup? Je vais essayer de faire comme ça. J'ai débranché mon logiciel de capture sauvage. Hein. Donc là, on n'entend plus Toudoum. Ok, c'est bon signe. Et là, maintenant, je vais le remettre. Alors, oui, non. Ah ! On progresse ! Yes ! C'est bon ! C'est revenu ! Sauf qu'il faut que je refasse la capture. Ouais, le L4 a de la ressource, hein, t'inquiète. Hein. C'est un petit peu pourri ce truc, mais bon. Ça a une chance que ça arrive de temps en temps. Je crois que c'était moi qui avais touché le fil. Et s'il faut, c'est ça, hein, d'ailleurs. Mais c'est très bizarre. Hein. Parfois, ça le fait. Il est capricieux, ce truc. Voilà, splendide. Alors, comme d'habitude, vous préférez quoi? Vous préférez en plein écran comme ça, là? Ou en comme ça, là? Je pense que comme ça, c'est pas mal. Et bienvenue les arrivants, évidemment. Bon, allez, on est parti. Son Goku dirait une momie, voilà, la momie de la voyante Baba, etc. Ah, demi-brogneur. Pas de problème, Bulma, compte sur moi. J'aime ton enthousiasme. Oh, bien, qu'est-ce que c'est que ça, là? Objet requis? Pourquoi? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est la première fois que j'ai un truc comme ça. C'est objet obtenu, plutôt. Parfois, la traduction française est complètement pourrie. Hein. Attention, hein. Vous avez des trucs qui n'ont aucun sens. Hein.
Flotterite, Molluscium, Thermopite. Qu'est-ce que c'est que ça, là? Daijobu. Je crois qu'elle m'a donné des objets. Hein. En te déplacement sur le terrain, appuie sur L1 chercher du ki. Mais pourquoi il me parle de ça, là? On s'en bat les couilles. Ah non, il faut que j'en trouve. Ah, qu'est-ce que c'est que cette quête de merde? Oh putain, une quête annexe pour la quête principale, quoi. Une quête complètement dégueulasse pour la quête principale. Moi, je croyais qu'on allait aller sur Namek. Et maintenant, faut jouer les mécanos, faut trouver des pièces pour la capsule. Pour le vaisseau spatial. Ouais, t'es sérieux, là? Donc voilà, vous avez un aperçu de ce qu'est le jeu. Rien qu'avec ça... Enfin bref, moi, personnellement, je vais vous donner mon avis sur le jeu. Ça a pas l'air trop dégueulasse. Hein. Les trois pièces ont l'air d'être... Faut pas les chercher trop longtemps. Hein. Ils ont l'air d'être l'une à côté des autres. Eh bien... Vous avez pu voir de tout et n'importe quoi... Voilà, Baba la sorcière ici. Concernant ce jeu... Est-ce que c'est de la merde? Est-ce que c'est génial? Beaucoup de bon. Eh bien, moi, je vais être franc avec vous. Pour moi, c'est les deux en même temps. Voilà. Les deux ont raison. Hein. Les deux parties. Les deux qui disent ça... Attendez, est-ce qu'il faut baisser le son, là? Ouais, faut baisser le son. Désolé, hein. J'ai oublié de le faire. Loul. Merci, les gens. Donc là, vous n'avez rien entendu de ce que j'ai dit. Voilà, Flotterite, bien joué. Ça en fait 1 sur 3. Donc ça, c'est le genre de quête complètement dégueulasse qui vous attend hein, dans ce jeu. Que serait un live duel 4 sans... Sans problème technique comme d'habitude. Hein. Vous avez l'habitude. Mais là, normalement, on devrait être tranquille pour la fin du live. Hein. Quoique. Ah, vous m'avez entendu, sérieux. Voilà, un Molluscium, voilà, 2 sur 3, splendide. Donc ça, franchement, c'est le genre de quête complètement inintéressante. Hein. Mais c'est l'exception qui confirme la règle. Parce que normalement, dans les quêtes principales, ça arrive que vous ayez ce genre de truc complètement pourri. Mais des fois, c'est pas le cas. C'est surtout les quêtes annexes qui fonctionnent comme ça et qui n'ont rien d'extraordinaire, encore une fois. Mais franchement, c'est pas mal de pouvoir te déplacer dans... Il est où le troisième, là? De pouvoir te déplacer dans l'univers de DBZ, etc. C'est vraiment pas mal de ce point de vue-là. Mais la question que tout le monde se pose, évidemment, c'est la même que Death Stranding, avec si c'était pas un truc fait par Kojima, est-ce que ça aurait eu le même succès, le même engouement? Et ben là, c'est la même chose, hein. Ah, le v'là. Parfois, faut chercher un petit peu. Est-ce que, si c'était pas Dragon Ball Z, ce jeu, eh bien, est-ce que les gens aimeraient autant? Peut-être pas forcément, hein, sérieux. Un petit peu. Vraiment un cran en dessous. Hein. Mais pas plus. Hein. Allez, j'y vais! Oula! On va pas avoir un seul combat dans cette vidéo, c'est assez énorme. Shenmue 3 Dynasty... C'est que c'est DBZ, justement. D'accord. T'as dit c'était pourri et bien à la fois. Oui, bah c'est plus ou moins ce que je viens de vous expliquer. Hein. T'as des quêtes annexes immondes, t'as des pics de difficulté tout simplement horribles, vous allez péter un câble hein, contre Raditz, je vous le dis. Hein. Mais je crois que ça vient du fait qu'il faut que vous utilisiez votre objet de soin, hein, en réalité, pour Radish. Moi, je l'ai utilisé alors que j'en avais pas besoin. Mais bon. Je suis mort au moins 7 ou 8 fois hein, contre Radish. C'est fait exprès. L'IA, elle est agressive, attention. Alors que celle d'avant, quand t'étais avec Piccolo... Ça, Piccolo-san! Tu as remis le matériau requis à Bulma, complètement, bien joué. Le vaisseau sera retapé en moins de 2. Merci beaucoup, j'ai hâte de partir. Oh bien! On a débloqué l'emblème Bulma. Et elle est balèze en réparation. Voilà, le seul que j'ai pas. Ça, c'est les trucs de communauté. Hein. Ça te donne des bonus. C'est vraiment pas mal, je vous expliquerai lors du vidéo test. Hein. C'est vraiment pas mal ce système. Oh, ça y est, c'était elle, le chef du dernier. Voilà, maintenant j'ai le truc réparation. Et c'est elle le leader. Voilà, splendide. Donc tu vois, pour l'instant, je suis niveau 1. T'as quelques bonus, hein. Les étoiles grisées, là. Pour l'instant, je n'ai accès qu'à niveau maximum des machines plus 5. Je sais pas à quoi ça correspond. Et après, dès que je serai niveau 2, ça va passer à taux de réussite de construction plus 10. Après, niveau 3, coût en zénith de la construction moins 10, etc. jusqu'à niveau 10.
Oui, 13 sur 20, jeuxvideo.com, hein, la note. Mais sur Gameblog, 9 sur 10. Comment ils notent déjà Gameblog? Enfin, un truc du genre. Hein. Donc là, tu vois, tu lis tout et son contraire hein, sur le truc. Si tu essayes d'en prendre en jeu, ça ira. À la fin, j'ai des centaines de quasi tous les objets. Tout le monde s'en serait foutu royal. Ségolène Royal. Ça avait été autre chose, je pense que j'aurais passé mon chemin. Moi aussi, hein, je pense. Un truc qui me dérange, on m'a dit qu'il n'y avait aucun... Oui, il n'y a pas de sang, hein. C'est totalement censuré hein, dans les cinématiques et tout. C'est ignoble. Hein. Radish, voilà, tu vois. Je pense que c'était ça, hein. Vu que tu récupères un objet de soin. Merci Arnaud, 8 sur 10. Quelques trucs plus tard. Bon, normalement, il faudrait que je change mes communautés, mais on s'en fout. Hein. Je vais affronter 3 freezers qui te spamment des boules de loin, te détruisent ta défense. Ah ouais, quand même. D'après certains, l'arc Saiyan, donc ce qu'on vient de finir là, eh bien, c'est un espèce de gigantesque tutoriel. Et ils disent que le jeu commence réellement à partir de Freezer, c'est-à-dire maintenant là. Salut Colossinge, bienvenue à toi au fait, hein, je t'avais pas vu. Ouais, mais là, ça me fait peur hein, ton truc. Mais bon, je pense que j'ai un gavasse d'objets de soins et tout. Hein. Et avec la cuisine, je pense pas que ce sera si balèze que ça. Hein. Si tu te mets des trucs qui augmentent ta défense, qui, justement, le L4 en mode Fred. En mode Fred du grenier. En mode je me cure le nez en vidéo. Non, non, mais je me suis frotté, j'étais comme ça. Hein. Parle à Bulma quand t'es prêt. Les planétaires. Donc sauvegarde automatique, hein, t'as vu en bas à droite de l'écran. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais pas sauvegarder sur le slot. Tu es prêt? Ouais, peu près. On va continuer l'histoire, ça veut dire que tu peux pas revenir en arrière hein, quand tu fais ça. Voilà, bien joué! Level up! Alors qu'on n'a rien fait, c'est génial. Vegeta, je lui ai roulé dessus. Oui, c'est ça, hein, y a que Radish et Nappa qui m'ont posé des difficultés. Et bizarrement, le reste, ça a été. Hein, faudra m'expliquer. Hein. Et le Kaioken, je ne l'ai pas utilisé une seule fois. Hein. Et là, vu qu'on va avoir accès au Super Saiyan, je suppose... On ne l'aura pas utilisé du tout, s'il faut. Enfin, plus de trucs relativement intéressants. Voilà, bien joué. C'est secondaire. Je sais pas vous, mais j'ai trop de mal avec l'utilisation des... Bah ouais, voilà, justement. Là, la seule transformation que j'ai pour l'instant, c'est le Kaioken. Qui, d'après ce que j'ai lu, quand j'ai vu ça, j'étais dégoûté. Hein. Quand tu l'utilises, ça te draine tes points de vie et ton ki. C'est complètement pourri, hein, sérieux, ça n'a aucun intérêt. Hein. J'espère que c'est pas pareil pour le Super Saiyan, hein, que c'est que pour le Kaioken, hein, parce qu'il est éprouvant pour ton corps. Là, oui, d'accord, je veux bien. Mais j'espère que le Super Saiyan, c'est pas comme ça, sinon ça va m'énerver. Hein. Si tu peux pas être Super Saiyan à l'infini, c'est ridicule. Hein. C'est pas comme ça dans la série animée. Non, y a pas de fonction online. Dans le pas de PVP ni rien. Direction Captain Planet. Le Kaioken est chaud. Voilà, c'est ça. Mais sinon, le Super Saiyan. Je sais pas comment ça fonctionne encore. J'y ai pas accès. Hein. Ah ouais, ça te draine quand même le ki. Ouais. Ça, c'est un petit peu dommage, tu vois. Et tu peux pas le recharger avec la touche triangle. Le Kaioken, si, c'est ça. Shimata parvient à obtenir le corps de Dragon Ball. Une cinématique tout à fait géniale, hein, évidemment, avec des images fixes. Tu vois, il y a pas mal de défauts dans ce jeu qui gâchent un petit peu le truc, hein, selon moi. Les temps de chargement, etc. Regarde, écran noir, hein, c'est pas un bug. Hein. Mais de façon générale, pour l'instant, j'aime bien, tu sais quoi. Si, si, bien sûr. D'accord, ok. Bon, ça va, c'est un moindre mal, alors. 30 gigas, ça va. Le jeu commence après, bouh ! Plein de quêtes annexes, quasi rien en jeu. C'est logique en même temps. Ben, ça dépend. Kaioken, oui, mais pas Super Saiyan. Super Saiyan 3, ça drainait son énergie. Il avait du mal contre Bouh, là, tu te rappelles ? 34 jours de voyage. Oh putain, cette planète brillante, quoi. Ils ont passé un coup de Javel. Les DLC seront DB Super d'après les fichiers du jeu. D'accord, bah ce sera sans moi. Il y a des gens qui voulaient Dragon Ball GT.
Oh bien, la coiffure de Gohan. Voilà, là ça c'est respecté. Parce qu'avant qu'on parte, il s'est coupé les cheveux entre-temps. 4 Dragon Ball, Namek. Elles sont réunies au même endroit, je comprends pas. Regardez un vaisseau. C'est notre ennemi. Notre ennemi est arrivé sur Namek. Il l'appelait toujours notre ennemi, Vegeta. Dans l'animé, c'est assez énorme. Le season pass avec les collectors. Moi, j'ai fait que préco. Hein. Kiwi. Le SSJ 3 consomme énormément. Le SSJ, au final, pour atteindre Cell, Goku maîtrise le SSJ. L'ennemi n'est pas loin. Frieza-sama. Bon, comme vous le constatez, il n'y a pas les voix françaises. Hein. Ce ne sera pas encore avec celui-là qu'on les aura. Mais tu as quelques musiques de la série télé, mais pas beaucoup. Hein. Deux surprises dans le jeu sans spoil. D'accord, merci. Je verrai bien, tu sais quoi. Kiwi vient d'intercepter Vegeta. Je crois que toi et moi, nous avons une affaire à régler tous les deux. Le moment est venu de faire une mise au point. Il était doublé par Eric Legrand, lui aussi. Les deux persos face à face... par le même doubleur, c'est assez énorme. Allez, je passe. Les cartes Kiwi... DBZ, c'est le passé. Sinon, je l'aurais pris, ce DBZ... Bah, franchement, ça retrace des Saiyans jusqu'à... sans DLC, encore une fois, jusqu'à Boo. Hein. Ça, c'est des DBZ. Hein. Et franchement, c'est vraiment pas mal de pouvoir te balader entre chaque scène importante. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Ils ressemblaient pas à ça, les deux ennemis qui nous attaquaient là et qui détruisaient le vaisseau. Incohérence! On dirait Likoum avec des cheveux. Et on dirait Goku avec un afro là. Pulvériser leur vaisseau, mais c'est pas ces ennemis là normalement. Prends ça! Mais non! C'est quoi ce non-respect de l'animé? Ils avaient une apparence totalement différente, hein, c'était des extraterrestres normalement. On y va, Gohan! Parce que ça, c'est des Saiyans répétables, hein, entre guillemets, des ennemis, des hommes de Freezer répétables. Oh là, ok, d'accord, attention, ils sont bien chauds. Dès le début, là, ça commence. Prends ça! Oh, on attaque à deux avec Krillin, regarde-moi ça! Le pouvoir du Massen! Niveau 17, je suis niveau 18, ça devrait aller. Mais on peut aussi parler de l'aspect action RPG dans ce jeu. Oula, ben un de moins déjà là. T'as vu, je suis dans le haut. Pour l'instant, c'est un petit peu une vaste blague. Hein. L'aspect. Bien joué, je lui ai pété sa défense, prends sa fumier. C'est tout? What? Rang S. Je crois qu'on peut dire qu'on manque pas. On manque pas d'entraînement. Hein. Pour l'instant, c'est un petit peu une blague. Hein. L'esprit, le côté action RPG dans ce jeu, c'est très faible. Hein. T'as des objets à utiliser, t'as de la cuisine pour augmenter tes stats, etc. T'as des quêtes annexes qui sont très simples, encore une fois. Et des déplacements sur la map, etc. Oui, d'accord, mais bon, les gens qui s'emballent et qui disent que c'est le meilleur jeu DBZ jamais créé, je sais pas ce que vous en pensez. Mais moi, c'est pas trop le cas. Hein. Du cybercon! C'est très limité et très simple. Ah, il y a quand même quelques 1500 en puissance. C'est quoi ces moustiques? Ah, je sais pas. C'est vrai que la majeure partie des combats, c'est un petit peu nul à chier. Est-ce que je vais diriger Vegeta? Un reproche, c'est que tu peux incarner que 4 persos. Hein. Franchement, c'est pas beaucoup, c'est ridicule. Hein. Tout le reste, c'est des persos de soutien. Ils se battent, mais avec l'intelligence artificielle. Ça, franchement, je suis un petit peu déçu. Hein. Mais heureusement, il y a Vegeta dans le lot. Ah, c'est ça, putain! On va incarner Vegeta, là. Et ben, je peux pas combattre Kiwi, là? Parle à Bulma. Trouve Kiwi et remets-le à sa... Ah, putain, ça, franchement, c'est énorme. Moi, je vais jouer qu'avec Vegeta, hein, je vous le dis. Mais bon, la plupart du temps, c'est imposé, hein, les persos... Ne sous-estime pas les Saiyans. On est sur Namek. Avec la musique de la série télé, on va se faire strike.
On jouera jamais les autres. Ben, je sais pas. 5 persos sans les deux fusions. Voilà, il connaît mieux que moi, hein, Riku. Moi, je suis qu'un Namek, hein, encore une fois, donc... D'accord, ok. Je vois pas qui, c'est, qui ça peut être, le cinquième. Oh, ça finit. Oh putain, Vegeta niveau 23. Il est complètement cheaté. Niveau 23, c'est beaucoup. Hein. D'accord, ok. Le meilleur, c'est Fighter Z. Ben, je sais pas. Pour moi, les meilleurs, c'est les épisodes PS2. Hein. Tenkaichi 2 et 3. Pour moi, c'est ça, les meilleurs jeux DBZ jamais créés. Hein. Parce que Fighter Z, t'as que du combat et rien d'autre. Hein. T'as pas ça, là. Le déplacement, etc. On va attaquer Kiwi. On va lui faire manger du Kiwi. Mon fruit préféré, entre guillemets. Catex de Vegeta 2 sans blague. Oh putain, non, t'es pas sérieux. C'est pas possible. Mais non. Mais ça va pas aller, c'est de la merde. Moi, je voulais tout faire avec lui, là. Mais c'est de la merde, sérieux. Je préfère Attack of the Saiyan ou Legacy of Goku, donc sur GBA, hein, les deux. Enfin, Attack Saiyan sur DS, hein, c'est ça. À mes yeux, il est presque n'égalera jamais Budokai 3, comme je l'ai dit précédemment, les jeux qui respectent finalement l'œuvre de A à Z. Je suis à la fin. Putain, c'est abusé, quand même. On peut se TP perma. Tant que t'as du ki, hein. Mon jeune grand frère lavait ses jeux DBZ. Y a-t-il du NG plus dans ce jeu? Alors, je sais pas. Je vais t'apprendre, Kiwi. Salut, Laura, bienvenue à toi. Oula, pour l'instant, ça va pas du tout. Prends ça, Kiwi, niveau 19. Tu vois, se TP comme ça, hein, c'est ça que tu voulais dire, je suppose. Ça va à 300 à l'heure, hein, sérieux. Oh, bien joué, il s'est déplacé au même moment. J'ai pas l'habitude de jouer un perso aussi puissant, entre guillemets. Enfin, ça, il le fait une seule fois dans l'animé, mais bon. Oula. Et encore. Bon, après, c'est juste Kiwi, hein. C'est pas comme si on se battait contre Cell, hein. Mais bon, quand même, malgré tout. Voilà, téléportation. Et ça, c'est énorme, hein. C'est un coup que vous devez absolument maîtriser, hein. La touche croix quand vous vous faites attaquer. Alors, je découvre ses compétences. Hein. Bien joué. Oula, attention! Ouais, là, j'ai bien timé mon attaque. Hein. Il se tient le ventre. Il a mangé un coup de trop à midi. Je vais essayer de me mettre en mode... En mode jauge jaune, entre guillemets. Ah. Fatch, il m'a dégagé ma jauge. Il me laisse pas le temps. Mais putain. Regardez, je vais essayer de me mettre en jauge jaune. Faut que je récupère mon ki, et voilà. Si l'adversaire te laisse suffisamment de temps, c'est parti. Là, t'es un peu plus puissant, et tu peux enchaîner les canons Garik et ce genre de trucs. À l'infini. Hein. Enfin, à l'infini. Tant que t'as du ki, encore une fois. Regarde, une fois. Loul. Ça a pas marché comme je le voulais, mais bon. La carte Kiwi, faut de la rejouabilité, pas de MG+, pour l'instant, DLC permettant de remonter le temps. Oui, c'est vrai, parce que si tu rates les quêtes annexes, elles sont qu'à un certain moment, hein, du jeu. Avant de te préparer pour Namek, t'en as deux, etc. Si jamais tu passes l'événement, et sans avoir fait les quêtes annexes, tu pourras pas les faire. Hein. Des BGT avec ce style de jeu, visite les planètes. Bien! L'emblème Vegeta. Mais c'est la première version ou... Attendez, 1, 2... Oh là, tu spoil là, Riku, là. Ça va pas du tout, hein. Attention, hein. Une épreuve avec un perso modé. Le rayon jeux vidéo se trouvera à côté de la boucherie dans les supermarchés tellement les jeux sont à la découpe. Voilà, on passe à Gohan, bien joué. Mais de toute façon, c'est Bandai Namco, hein. Tous les jeux DBZ... seront... Moi, je peux pas voler, là.
Ils seront avec des DLC, hein, tant que c'est Bandai et Namco qui s'occupent de ça. Ok, pour cette partie-là, je peux pas voler, parce qu'il faut pas qu'on se fasse détecter, hein, donc... je ne peux que courir. Oula, qui c'est que ça, là? Prends ça! Ouais! Oula! J'aurais déjà tué, hein. Oh, bien joué. Ouais. Bon, ça, c'est des troufions de base, hein. C'est vraiment de la merde au niveau... À poule! Quand tu parles de rayon... Non, mais dans le jeu! Le fait de savoir avec qui on peut jouer, etc. Moi, j'en connais ces quatre. J'avoue que j'ai été un petit peu surpris de te voir dire ça. Non, je déconne. Je retourne, neige, passer, les gens en plein de poutou. Ok, merci d'être passé, hein, Aizen. Amuse-toi bien. Alors, attendez. Bon, après, la plupart de ce que t'as dit, là, c'est au tout début du jeu, hein, donc... c'est les deux derniers, surtout, hein, qui spoil, entre guillemets. Pourquoi ? Il y a du online. Non, non, il n'y a aucune fonction online, hein, même pas un truc à la Dark Souls, tu sais, où tu vois des notes laissées par les autres joueurs. Non, non, il n'y a rien du tout. Il n'y a aucune fonction online, hein, dans ce jeu. Et t'as pas d'autre mode de jeu que celui-là. Hein. Bien ! Regarde, ça te donne une idée de la difficulté du jeu. Mais en même temps, on n'est qu'au début. Hein. Rang S le maximum pour les deux, là. Et au total. On n'est qu'au début du jeu, hein. C'est Namek, donc... Donc t'inquiète. Hein. Ça va se complexifier au fur et à mesure. C'est vrai que j'aurais pas craché sur un mode entraînement. Mais il y en a un, hein, plus ou moins. Mais dans ce... À l'intérieur de ce mode aventure, t'as des zones d'énergie bleue posées sur le sol, des espèces d'aura. Tu les observes, tu interagis avec, et ça te permet de faire des combats d'entraînement, je m'en suis jamais servi. Ce que t'en as sur la carte du monde, hein, aussi, donc... Non, encore une fois, moi, dans l'ensemble, c'est un jeu que j'ai bien apprécié. On change de jeu dans 8 minutes, hein, les gens. Mais on court à l'infini, on est Forrest Gump. C'est un jeu que j'ai bien apprécié. Mais pas de Kikoa ni de vol. Mais ne monte pas trop haut. Dans l'ensemble, c'est un jeu qui, pour l'instant, j'aime bien. Mais après, est-ce que t'en auras pas ras le cul au bout de 60 heures? Ce qu'on est en train de faire maintenant. Parce que là, pour l'instant, je suis même pas à 10 heures de jeu. Hein. Je suis à 5 heures, je crois. On a vu au début, là. Oh putain, c'est quoi ça? Culé, va. Pas de Kikoa! Ben voilà, j'en ai fait un. Culé, va. Je vais vous apprendre. Tiens, je t'ai assez vu. Oups. Mais t'as vu que c'est assez dynamique, hein. Ça, on peut pas lui enlever. Hein. Il prend son fumier. Culé. Ah, rien de moins. L'exploratrice, Xenoverse, Fighter, pas de online, mode versus. Non, non, que dalle. Hein. Après, les gens disent que c'est un jeu qui ressemble à Xenoverse 2. Mais je connais pas, j'y ai jamais joué, donc... Voilà, ça c'est vrai que c'est un petit peu naze, hein, quand les persos... Répète. Qu'est-ce que t'as dit? Répète leur... les techniques, là, quand tu les enchaînes. Makanko, Sapo, Kamehameha, etc. Ils auraient juste dû faire... Ha! Parce que là, c'est un petit peu relou. T'as pas effacé un com sur ta vidéo? Si, si! L'autre connard, là, qui parlait du virus chinois... Et je l'ai bloqué, le mec. Je l'ai mis sur ma blacklist, hein...
J'apprécie pas du tout ce genre d'humour. Hein. Ça faisait très longtemps que j'avais pas bloqué un mec hein, sur YouTube. Mais vraiment, des années. Hein. Et le mec, ben voilà, il peut se vanter d'avoir brisé la chaîne. Dende. On aurait fait Walou, pas plus mal. Ouais, franchement, je vois pas comment tu peux mettre de la fonction online comme ça. Hein. Si t'en veux, faut aller sur Xenoverse. C'est un petit peu... Certains trouveront que c'est un petit peu naze, mais bon. Les arcs filés... Non, je pense pas qu'il y ait ça. Hein. N'hésite pas à nous confirmer le Riku, mais... T'as des persos que tu vois alors que t'es pas censé les voir à tel ou tel moment pour les quêtes annexes, mais c'est pas canon, hein, c'est des trucs vraiment rajoutés. Mais Nani ! Oh non, il a détruit ma maison ! Espèce de hooligan. Ce qui m'hallucine, c'est que... Il continue de faire les voix... 83 ans ! Ah ouais, quand même ! Ouais, donc là, c'est compréhensif, hein, le fait qu'elle a un peu moins de peps dans la voix. J'allais dire c'est un défaut, mais oui, là, c'est compréhensif, hein, c'est énorme. Pauvre voix qui... D'accord, ok. Merci, Camille. Du coup... Des fois, je suis assez tolérant. Hein. Même si c'est des commentaires merdiques, comme sur mon bilan, par exemple. Je les ai laissés, hein, t'as vu, tous. Normalement, je supprime plus. Ça aussi, c'est pareil. Hein. Il y a un moment, trop, c'est trop, c'est trop picot. Donc, bah, raison de plus de l'avoir fait, j'ai envie de dire. Prends ça. Mais d'habitude, je suis extrêmement tolérant hein, par rapport à ça. Oh putain, 57 000 points de vie! Espèce d'enculé, va. Doria! Dorian! Comme dans The Mask. Prends ça, je t'ai assez vu. On est à 2 contre 1, tu peux rien faire contre nous. Ouais, mais normalement, on n'est pas censé l'affronter, il faut s'enfuir. Le côté rajout des combats. Une scène qui dure 2 secondes dans l'animé, t'en fais 2 combats. Prends ça. Gwark! How dare you! Bon, pour l'instant, on peut dire que ça va pas trop mal. Yeah! Oh, comment il tourne sur lui-même, c'est énorme. T'as vu? Il fait tourner les serviettes. Bon, ça a pas l'air d'être un combat de ouf. Hein, parce que tu les reconnais quand même. Mais attention, parfois, les ennemis deviennent enragés quand ils passent en mode... quand ils ont plus beaucoup de points de vie. Hein. C'est le cas de Raditz hein, au début. Ils ont des phases, les ennemis. D'accord. Vite. T'as vu, j'ai enchaîné je sais pas combien de Masenko là, t'as vu Prends ça. Attention, il va attaquer de ouf. Pour l'instant, ça va pas trop mal, je suppose. Il a arrêté de bouger pendant... Oh, ça y est, bien joué. On l'a pas mis à 0 point de vie. Hein. Downvote plein de com. Mais je sais pas si ça sert à quelque chose sur YouTube, en fait. Oh, en tout cas, merci hein, pour ton soutien, Camille. Merci à toi. Si on rajoute pas certains combats, tu joues pas pendant plusieurs minutes. Ah ouais, quand même. C'est bien chaud, tu verras. Oh, c'est n'importe quoi. Il est censé l'écraser comme une mouche, là. C'est pas un combat qui est censé être super dur. Contre Zarbonne, oui. T'es sûr que tu confonds pas avec Zarbonne, le maigre, hein, qui se transforme, là? Et bah, lui, là, il le marave, y a même pas de combat, là, en 2 temps 3 mouvements. Ah bah, c'est là, en plus, c'est maintenant! Mais, on ne... J'en fais tomber ma manette. Mais on ne pourra pas le voir! Oh, comme c'est pas de chance! Les attaques rouges, ah ouais, quand même. Oh, comme c'est pas de chance, dis donc! Il est 15h40, il faut changer de jeu! Et c'est maintenant le combat super difficile dont tu parlais. Mais ça, franchement, c'est excellent. Hein, le fait de pouvoir se balader comme ça. Freezer! Mais l'un des fails du jeu, selon moi aussi, c'est qu'ils n'ont pas réussi à faire un vrai open world. Hein. Les développeurs japonais. Voilà, c'est pas du The Witcher 3, hein. C'est plein de petites zones en fait où t'es obligé de te téléporter et à chaque fois attendre chargement. Et c'est franchement ça c'est un petit peu naze hein, quand même. Oh, c'est la boule de feu.
Ils ont pas réussi à faire un vrai open world à la FF15 entre guillemets. Ah, ça fumier. Mais un doute, on va savoir très vite. Je me dis que quelqu'un en prend plein plus que YouTube peut le modérer. Jeune Wacom devrait être validé pour être visible. Ouais, je pourrais le faire, je l'ai vu, hein, l'option. Mais bon, c'est pas grave. Allez, on ferme l'application. Désolé pour ce petit contretemps hein, au début du live. C'est un petit peu le foutoir hein, par rapport à ça. En tout cas, c'est sympa, hein. Franchement, ça aurait pu être une bouse infâme. Pour l'instant, c'est pas mal, mais mon avis peut encore évoluer, vous vous en doutez bien. Hein, par rapport au... Tout Doom. Oh non, ça recommence. Non, c'est normal. De toute façon, on a fini. Mais pour l'instant, c'est pas trop mal. Bon, allez, fin du spoil. Et non pas Patrick Préjean, encore une fois. Alors, filtre, 0, et voilà. Bon. Finition, on est tous d'accord, c'est très... Oui, voilà. C'est vrai, c'est l'un des défauts du jeu. Les patous ne servent à rien. Oui, c'est vrai, pour l'instant, j'en ai pas utilisé une seule, alors que j'en ai 3000 pour chaque, là. L'open world de FF15, c'est blindé de murs invisibles. Un bug où il se noyait en boucle. Le jeu le refoutait. Oh putain, c'est abusé. La Xbox fait le bruit digne d'un psaude. Bon allez, écoutez, petite pause les amis. Et on se retrouve dans 2 minutes pour le prochain jeu hein, de ce live tout en folie. A de suite les amis. Re les gens. Tellement bon cette série, finit en autre boudin car les deux filles pouvaient pas se saquer, les frères ont demandé une augmentation. Alors, il y a eu énormément de problèmes hein, dans cette série, des acteurs qui meurent, mais tu ne le vois pas à l'écran, parce qu'ils n'ont pas été rappelés, parce qu'il y a eu des différences. Salut Rock Loris, bienvenue à toi. Maggie Beckett, excellent. Comment ça, Carrie Wurer, l'actrice qui fait le personnage de Maggie Beckett, l'une des plus belles femmes du monde, hein, un truc de fou. Je crois qu'elle était dans le film Dead or Alive, non? Mais maintenant, elle a 52 ans, hein. C'est un petit peu triste. Je te réexplique les entraînements comme tu les nommes toujours, je te débloque, je développe les évolutions de ces mêmes attaques. J'ai tout compris. Bon, allez, on y va. Non, mais je sais à quoi ça sert, hein, mais je l'utilise pas. C'est comme ça. Écoutez, on est parti pour un Cooking Simulator, maintenant, là. Un jeu qui, normalement, n'est pas censé tourner sur mon PC, d'après Siri, d'après Can You Run It, là. Et hein? Comment ça? Qu'est-ce qu'il me fout, Wizbot, là? Mais, attendez, je vais modifier ça, là. Mais pourtant, ben si, il tourne. Ça va être un cauchemar en cuisine, hein, je vous préviens. Hein, parce que j'ai jamais joué, on va découvrir ensemble. Ça va être le gros foutoir, hein, ça va être Philippe Etchebest. J'ai jamais vu ça! J'ai repris Cookie Clicker de la game la semaine dernière. C'est énorme. Donc franchement, ça va être le foutoir, on va faire que de la merde, hein, je vous préviens. Parce que c'est un jeu où tu dois préparer un maximum de repas en étant rapide. Hein. Un jeu à youtubeur, entre guillemets. Mais moi aussi, j'adorais hein, Sliders. Mais c'est vrai qu'au début, ça devenait du grand n'importe quoi. Hein. Vraiment, les seules bonnes saisons, je pense, c'est les 3 premières. Quand il y a le frère de Queen Mallory qui débarque, qui est aussi son frère dans la vraie vie, ça, je trouve que ça devient de la merde. Hein. Voilà. Mais l'idée de base était géniale, hein, franchement. Les mondes parallèles, tout ça. Dans paramètres sous vitesse de texte, tu peux ajouter la vitesse. Ah, c'est en français, là, c'est énorme. L4 Ramsey, c'est ça. Musique de film porno. Je connais ça, hein. Faut pas déconner, de Roth, c'est totalement ça. Faut pas déconner de Roth, c'est totalement ça. La zic là. Oh putain, ça déconne un peu à partir de là. C'est la dernière série Jean-Luc Picard. Star Trek. Je connais ça. Ah ouais, mais totalement. Allez, on y va, on va découvrir ensemble. Cuisiner avec Food Network, mode carrière,
école de cuisine. Apprenez à marcher avant de courir. Cuisiner dans la vraie vie, ce n'est pas facile, je suis d'accord. Ce jeu ne l'est pas non plus. Il vaut mieux que vous appreniez les basiques. Allez, on y va. Apprenez les basiques. Papicon pirate. Vous faites des clients. J'ai commencé, mon verre s'est vidé assez vite. Au fait, à partir du prochain level 1, je vais commencer à suivre les plus vieux. Ah, d'accord, ok. Ouais, ben ça marche, hein. Je les ai, donc, ouais, n'hésite pas, hein. Normalement, j'ai tout ce qu'il faut, hein, je les ai tous. Ok. Pourquoi? Parce que t'as plus de place, ou... Oh, les travers, la cuisine, mais on va jamais y arriver. En forgeant, qu'on devient forgeron. Faire des achats? Mais comment ça, des achats? De la viande pour Trigger. Ah ouais, totalement. Basique instinct, Jean-Luc, prendre un coup. Tout drôle, le plaisir à la fois. C'est vrai, j'avoue. Paul Bocuse. Philippe, bientôt la nouvelle saison de Top Chef. Excellent. D'ailleurs, il recommande. Hein. J'ai vu une pub sur je sais plus trop où, là. Philippe Etchebest, il fait une... On le voit dans une pub pour un resto de chez moi. De là, là. Je sais pas si ça vous le fait, vous aussi, mais... Galaxy version 2.5.0. J'ai le droit à 15 gigas de... Ah, d'accord, ok. Oui, bah oui, vas-y. Hein. On va couper Kakaro. C'est ça. C'est normal que les temps de chargement soient si longs, là. Tu peux accéder au mode photo à tout moment en appuyant sur P. Oui, parce que, attendez, je sais pas si j'ai été in-game, hein. Si j'ai vérifié le jeu. C'est juste pour être sûr que tu les as déjà DL. Oui, t'inquiète. Oh oh. Si ça se trouve, on peut pas rentrer in-game, hein. Si ça se trouve, on a que les menus. Oups. T'avais déjà fait un jeu de cuisine dans le même genre, il me semble. Oui, c'était Overcooked, c'est ça? Mais c'était pas en vue FPS, hein. Parce que là, on est en vue FPS, avec le couteau, tout ça, la physique, tu sais, le truc genre Half-Life, où tu peux prendre les objets, tout ça. Oh putain, ça fait ramer mon PC, là. Oh oh. Normalement, c'est pas si long. Oups. Ouch. En plus, ça freeze ma caméra et tout. Hein. Attendez, on a eu un espèce de flash blanc, là. Oh oh. Mais c'était avec deux bonhommes, le mode... tu sais, le mode solo qui permet pas de... Oups. C'est en train de faire bugger mon PC puissance 1000, là. Hein. Qu'est-ce qu'on fait? On abandonne? On fait pas ce jeu? Attendez, j'ai entendu un... Oh oh. Ça y est, on est in-game. Hein. J'ai cru que c'était que moi. Ta bite et ton couteau, bien joué. En train de se faire cuisiner. Ah non, mais ça vient de mon PC. Hein. C'est pas le live. Hein. Tout est freeze. C'est un truc de fou. Hein. Et là, le jeu, il a 5 FPS. Hein. C'est normal que ce soit bleu, le toit, là. On se croirait dans une salle réfrigérée, là. Commence par attraper la tomate et la poser sur la planche à découper. Non mais là on est à 5 FPS. Hein, Je sais pas si on va pouvoir jouer. Hein, on va devoir faire un autre jeu. Hein. Non mais si finalement le jeu ne tourne pas chez moi. Hein. Il avait raison, hein, Siri. Oh oh. Non parce que là c'est injouable pour vous, c'est pas la peine. Hein. Mais non, je voulais faire cauchemar en cuisine moi. Je suis dégoûté. Mais non. Ah, 0,0001, ça vaut pas le coup. Hein. Je vais essayer de quitter le jeu. Ah ouais, mais c'est clair, on n'a jamais vu ça. Hein. Voilà, le PC du L4. Bon, attendez, je vais essayer de quitter le jeu. Hein. Ne paniquez pas. J'ai fait Alt, Greux, Contrôle, plus Supre. Mais pour l'instant, il n'y a rien qui répond, hein, Jackie. Vous m'entendez? Panique à beurre! Panique en stream! Ouch. Mon PC, il a complètement freeze. Hein. J'en suis à me demander si on est encore en train de stream, là. What? Putain, c'est chaud.
C'est hallucinant. RIP le live. Désolé les mecs, je vous aimais bien. C'est abusé, non. La vache. T'as plus rien à répondre pendant plusieurs secondes, là, c'est un truc de fou. Reconnexion réussie. Ah ouais, quand même, ça avait carrément quitté OBS. Hein. C'est mieux, là? What? Si vous avez un seul jeu de cuisine, Cook Serve Delicious. Ah ben, ça tombe bien. Est-ce que vous m'entendez, les gens? On a eu un énorme problème. Live est out, le PC a lâché, un autre jeu, bug de son. J'ai failli y croire. Hein. Abandonne ce jeu, oui, il y a de la fumée chez toi. C'est en sur carotte le skill. Cook Serve Delicious, le 1 est sympa, le 2 est génial, le 3 en voyage autour du monde dans un food truck. Et donc, c'est lequel le meilleur? C'est le 2 ou le 3? Mais Camille, il les a dans sa bibliothèque Steam. Hein. Au pire, ce qu'on peut essayer de faire, c'est de jouer à ces jeux-là. Hein. Mais moi, j'avais regardé du gameplay, j'avais pas trouvé ça ouf, en fait. On t'entend sans troll. Bah, fais F5, hein, Riku. C'est quoi qui bug? C'est mon micro? Apparemment, il y a que toi, hein. Rappelle-moi de ne pas accepter si tu m'invites à bouffer, c'est ça. Le 3 est pas encore sorti bientôt, d'accord, merci. J'ai des pubs à la place. Oui, on a eu un espèce de coupure, hein. Une coupure du stream, hein. Une grosse amélioration du 1, petite boîte 1D. Fin ces jeux. Ça va mieux, Riku? C'est bon maintenant, F5 magique. Bien! Si vous avez des bugs F5, hein, les gens, coupez avec une enveloppe. Bon, attendez, j'essaye désespérément d'ouvrir Steam, hein, depuis tout à l'heure. Alors, attendez, je vérifie s'il n'y a pas d'autres trucs qui bug là, chez moi. Le host. Est-ce que ça bug là? Non, mais ça a l'air d'aller. Hein. Bon, attendez, je cherche ce qu'on pourrait faire comme jeu. Hein. Vu que celui-là, on pourra pas le faire, hein, malheureusement. C'est complètement con. Je vais le désinstaller. J'avais pas prévu le coup. Hein. Pour moi, quand le menu se lance, le menu Big Mac. Bah c'est bon, hein, je veux dire. Attendez, je vais relancer Steam. On va essayer de télécharger Cook Steam, Cook Serve Delicious, hein, le 2. Et d'y jouer en live, comme ça. Hein, Ouah, c'est naze, on a déjà perdu 20 minutes hein, avec ces conneries. Ah, je suis dégoûté! Arx Fatalis, du cul, hein, le jeu tranquille, c'est ça. Le tiroir, mais je l'avais fait le 2. Les deux, de toute façon, pour attester, c'est ça. On va essayer de les faire maintenant, hein, tu sais quoi. Mais Steam, il veut pas se connecter, hein. Comme par hasard. Changer le titre Twitch, c'est ça, ouais. Et moi, il est pas très lourd. 30 minutes de téléchargement. Non, j'ai la fibre. Ah! C'est bon, là? On croise les doigts. Yes! On est dans Steam. Bon, ça va. 7 nouveaux messages, entre guillemets, Kankuro. T'as déjà fait pire, hein. Message d'un utilisateur qui n'est pas votre ami? Bah si. Qu'est-ce qu'il me raconte cet abruti? À moins que dans les 7 de toi, il y en a un d'un autre. Bon alors, attendez! Téléchargement! En plus, on a l'astuce de Camille qui permet de télécharger quand lui, il est connecté aussi. Attendez, Steam, il a un petit peu de mal. Message d'un ennemi, le spam, qui nous demande si c'est bon alors qu'il a commandé. Le Twitch, 666, nouveau. Mais ça se trouve, on va même pas pouvoir le faire, un Cook Serve Delicious. Ça fait voir, je vais essayer d'aller sur Siri. Je vais aller dans la Siri pour couper du bois.
l'accueil. Alors. Et c'est pour te dire que mon PC peut mieux faire, hein, clairement. Voilà, Cook Serve Delicious. Installé. 1 giga. Hein. 3 amis, ils y ont déjà joué. Et on voit Steph. C'est énorme. Allez, on est en train de télécharger Cook Serve Delicious. Hein. Je crois que c'est la première fois qu'en live, on télécharge un jeu pour y jouer juste derrière. Hein. Ce qui va prendre du temps, c'est pas le téléchargement. Hein. C'est la préparation, l'allocation de la mémoire, etc. C'est surtout ça. Hein. Alors, fais voir. Bûcheron simulateur, tes bulletins. C'est ça. Je sabote ton live. Fourbasse, sandwich, et puis voilà. Ah ouais, on n'aura pas le temps, hein, malheureusement. Alors, attendez, qu'est-ce qu'il me dit, Can you run it? Oh, voilà. Minimum vert, recommandé vert. C'est bon, celui-là, il prend moins de... Désolé pour ce petit contretemps, encore une fois, mais on s'en sort toujours, hein, c'est ça qui est énorme, t'as vu. Le L4 retombe sur ses pattes. 8 Go de RAM recommandé, c'est ce que j'ai. Ouais, bah c'est bon. Hein. Ça télécharge 150 sur 900, 200. Tu vois, ça va vite, hein, y a pas de problème. Hein. Donc là, ça va être un petit peu moins élaboré, hein, je suppose, que Cooking Simulator. Oh putain, on voit plein de gâteaux, là. On voit du homard, des donuts, des brocolis. Ah, ça fait un peu moins envie, là, pour le coup. On voit des espèces de... Oh putain. Ça va donner faim, attention, hein, je vous préviens. On est à 90% du téléchargement. Je lance vite fait de mon côté pour t'aiguiller. Merci, Steph. Splendide. Un kebab. Je sais pas si on en voit un, hein, là. Peut-être. On voit un truc planté sur une pique comme ça, mais allez, je lance le jeu. En espérant qu'il n'y ait pas de Microsoft redistribuable et tout ça. T'as vu, c'était rapide. Saleté de Cooking Simulator, là, je t'en foutrais. De demander autant de ressources pour un simulateur, là. Bientôt, ça va demander un PC de la NASA alors que c'est de la bouse, ces jeux-là. Là. This game has an automatic save. Musique de film porno, le retour. Move your body. Start game campaign tower. Merci Steph. Attendez, je vais regarder ça. Alors, est-ce que j'ai mis le nom du jeu sur Twitch? On a une meuf qui nous parle avec une voix suave là, ça me fait péter un câble. Cook Serve Delicious 2 et c'est parti. On est sur le 2 hein. Tu choisis travailler pour ton resto ou bien de te faire. Attendez, on y va. Alors, est-ce que ça marche, la manette? Ah, il veut pas, là. Options, graphics, audio, gameplay, keyboard, gamepad. Le Wii U gamepad. Ah, il veut pas, là. Bon, tant pis pour le gamepad. Possible, la manette, je sais pas, j'ai vu que ça demandait de taper sur les touches. D'accord. Alors attendez, start game. New slot. De toute façon, à mon avis, ça m'étonnerait qu'il y ait beaucoup de différence entre le fédéral agent Red. Qu'est-ce que c'est que ça, là? The Basic. Alors attendez, qu'est-ce que c'est que ça, là? Non, on est obligé de faire les tutos? What? Chef co-op, food catalogue, designer, tutorial, tower. Voilà, c'est ça ce que tu m'avais dit tout à l'heure. Start game campaign tower. Welcome to the campaign. Ensuite, tu choisis si tu veux travailler pour ton resto ou bien te faire la main sur des recettes de... Ouais, je préfère faire ça, tu sais quoi. C'est ça, ça c'est mon resto là. Cook Serve Delicious. Et ça, c'est les autres restos, mais il y en a qu'un. Max Weiner. Tu vois, y a pas de kebab, patakas, regarde. Un béchamel et la sauce.
peux faire que celui-là, là. Des espèces de hot dog, un espèce de fast food. Les autres restos, faire une journée dedans pour débloquer les autres de mémoire. D'accord, ok. C'est plus compliqué que ce qu'il n'y paraît, hein. Standard shift. Zen shift. Oui, on va commencer par zen dans un premier temps, tu sais quoi. Ça, là. Le niveau, hein. Allez, on y va! Pizza Hut. Les huts dans Star Wars. Les autres restos faire une journée, avec un certain degré, d'accord. Nabila, c'est ça. Allez, c'est parti! Le Cyril Lignac des internets est de retour, attention. Complete the day with fewer than we bad order. You cannot earn Cyril Messiler. Start the day hunter. Ouh, ça va être chaud, on n'a pas fait les tutos. Hein. On y va en mode, on est en vrai bonhomme, attention, culé. Hein. Prep any food to start the day. Bon, attendez, faut faire un corn dog et du pretzel. Standard prep, begin. Oh putain, 7 minutes. Attendez, je fais que de la merde là. Corn dog, close, holding station. Eh ben, oui voilà, c'est en train de le faire. Le 2, il veut du pretzel, c'est ça? Classique ou germain? German. C'est prêt là? Tu peux préparer à l'avance certains plats pour gagner du temps? Ça va être catastrophique, je vous préviens. Allez, le troisième, lui, il veut du... C'est quoi ça? HS. Il veut du corn dog? Attendez, celui-là, il est prêt là. Je l'ai jeté? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai foutu comme connerie? Des corn dogs. Parfois obligatoire de préparer à l'avance. Ce jeu est stressant au début. Ah ouais, mais totalement. Eh ben, je l'ai jeté celui-là, là. Je comprends rien du tout. Non, c'est du classique, il veut. J'ai fait les deux, hein, pour être sûr. Les stations de préparation en haut. La grande nouveauté, ce que tu commandes les clients à gauche. Ketchup, c'est ça? No ketchup or moustard, please! J'ai mis du ketchup! Quel con! Il le voulait nature! Voilà, bien joué. Ok, d'accord. Voilà, au moins les bretzels, c'est bon. No ketchup or moustard. Ben voilà, c'est bon. T'imagines, tu commandes un truc nature et le mec, il te met au ketchup. Pour l'instant, c'est bon. On prépare à l'avance. Mais ce truc-là, il n'y en a pas besoin pour l'instant. No ketchup, voilà, d'accord, pour l'instant c'est bon. Ça là, c'est quoi? Des chips? All in one nacho? Fuck! Je l'ai pas servi, mais j'en ai que deux! Mais je peux pas faire ça là! Queso, scream. Attendez, queso, cream, jalapenos. Voilà, je lui ai donné que de la merde à l'autre. Ça là! Open the ice basin! Phil. Eh ben, qu'est-ce qu'il voulait, là? C'est bon, je les file! Attendez. Tojanasso avec du queso! Jalapenos, bin! On y va! Attends, c'est une blague, on est même pas à une étoile, là. Queso, cream, bin! Prenez ça! Lui, il veut un rat! Qu'est-ce que... Work ticket? Please set the rat trap! Loxette, cheese, sanitize. Voilà, je le nettoie. On sait jamais pour que ce soit propre. Voilà, celui-là, il est prêt de base. Ah, il faut que je refasse des bretzels. German. C'est parti. Je vais faire les classiques aussi. Hein. Classique, c'est parti. Pour préparer en avance, les cornes. Ketchup et moutarde. Eh ben, comme ça. Et avec ça, s'emballer un Mars aussi. Il faut nettoyer les chiottes. Et nettoyez-moi chez ces chiottes. Bleh. Pourquoi faut que je nettoie les chiottes, là? Attends, je suis à la cuisine, moi. Hein. Je suis pas agent d'entretien. Hein. Ouais, celui-là, c'est prêt. Attendez, je commence à prendre le coup, là. Je commence à prendre Riku, là. T'imagines, le mec, il fait ses chiottes en même temps de préparer à bouffer.
Le trash, le sanitize, c'est parti. Faut cliquer rapidement en fait. Hein. C'est ça le jeu hein, pour eux. Et voir et satisfaire les commandes des clients. Voilà, lui il regarde ce qu'il veut. Il veut un winner. Voilà, ben, y a pas le choix pour l'instant. C'est normal, on est en mode zen. Hein. Y a pas beaucoup de choix. Il se lave les mains quand même, c'est ça. Des chouards, des tâches ménagères, la fontaine à boisson, les gens servent auto, faut juste la nettoyer, d'accord. Remplis toutes les stations de préparation en haut. Pour l'instant, on n'est pas dégueulasse, là. Premium, cheese. Eh ben, j'ai pas de cheese. Qu'est-ce qu'il voulait que je fasse, là? Viewer, voilà, c'est bon. Celui-là, il est déjà prêt. Mais regarde, j'ai que ces deux-là. Je peux rien faire d'autre. Ah si, il y avait des hot dogs aussi. Et des tots et tout ça, onion ring, j'avais pas fait gaffe, d'accord, ok. On va faire des hot dogs. Viewer. Ah d'accord, tu peux en mettre plein. 8. Touche entrée. D'accord, ok. Alors, oh putain, il veut plein de trucs, lui. Alors, attendez. Attendez, ça se complique, là. Premium box. Voilà, premium. Ensuite. Patientez un petit peu, vous allez être servi dans très peu de temps. Relish. Cheese, ketchup, moustard, c'est dommage qu'il barre pas au fur et à mesure là. Chili, oignon, salade, tomate, oignon, c'est parti, kebab. Voilà, bien joué. Attendez, ça se complique là. Voilà, les toilettes, ça c'est simple. Lui, il veut du queso. Là, il n'y a qu'une seule page. Hein. Cream, bean, monsieur est servi. Ah merde, pourquoi HS? Queso, cream, bean, monsieur est servi. Ensuite, le suivant. Pretzel bun, onion, moustard, ketchup. Putain, la vache, c'est tendu du fion, hein. Space pour changer de page, c'est ça. Pain, deuxième ingrédient, finish, juge, les gens prennent, c'est ça. Les gros mangeurs, le resto, plus jamais les ravioles. Madame Philippe. C'est tout, là? Pourquoi HS? Et donc, en mode non-zen, les gens n'attendent que peu de temps. Tu as deux rush hours, c'est la folie pour manteler ton clavier comme un mongol. Je re, ça m'a donné faim. Sucré ou salé? C'est quoi HS, Steph? Ça, là. Parce que j'ai l'impression qu'il veut plus avancer, là. Il faut préparer du hot dog sur la station de préparation en haut. Mais je l'avais fait pourtant. Ça, là. Regarde. J'en avais plus, c'est ça? Ils avaient déjà bouffé mes 8 saucisses? Le L4 multi-queue, évidemment. Eh ben. La station de préparation peut dépérir. Non! Donc en fait, tout ça, c'est de la merde, là? Genre, si tu fais des saucisses le matin, vers l'après-midi, c'est plus bon. Oh, putain, la vache, mais c'est abusé. Cordon, close. Pretzel, classique. Pretzel, German. German suplex. Mais les hot dogs, j'ai pas compris, là. L'icône de la poubelle t'indique que c'est plus bon. Oh! Mais quoi? Déjà, c'est pas possible. Faut en refaire juste avant le rush hour, par exemple. Bon, écoutez, on va se mettre en mode non-zen. Hein. Quitte D. Enfin, oui. On va se mettre en mode rush hour, justement. On va faire avec mon resto. C'est quoi? Des bretzels. Il y aura que 3 pas. 3 plats. Voilà. Et si t'es pas content, c'est pareil, hein. Voilà, regarde, il n'y a que 3 plats. C'est le menu du jour. Hein. Avec ça. Les boissons, il n'y en a qu'une. Voilà, si t'es pas content, c'est comme ça. Menu preset. On peut en faire plusieurs, là. 3 plats. Tu as gagné de l'argent. Bien, merci. Faire un béni German alors qu'il te demandait un classique. Un corn dog s'il veut le mec. Le truc immonde à droite. On dirait des Cheerios. Tu sais là, les céréales, les Weetabix ou je sais pas quoi là, avec de la banane séchée. Mais tu sais, même ça, ça fait envie. On y va comme ça? Tu peux acheter des plats dans le catalogue. Alors attendez. Buzz l'éclair. Et
équipement, dishwasher. Ah oui, je peux améliorer mon truc, bien. Oh putain, c'est plus riche que ce que je croyais, tu sais quoi. Mode classique. Mode option. Oh, classique mode factor, les boosters, les détracteurs. On y va comme ça. C'est quoi HS? Burke, le choix n'existe pas dans le resto. Regarde-le. Oui, mais c'est le mien. C'est moi qui choisis. Et s'ils sont pas contents, c'est pareil. Hein. LK, t'as loupé mon conseil 3 fois. Merde, t'avais dit quoi? Burger, burger. Mais non, non, regarde. On a du Nutella, là. Station de réparation. D'accord. Mais j'ai pas compris, justement, les stations, là. Allez, start a new day. On y va comme ça, on est des fous. Hein. On le refera, ce jeu, tu sais quoi? On va devenir un vrai pro. Earn 5 combos, 2 perfect days, 5 delicious order in a single day, et complète day, 16 days in any mode. Et on va pas y arriver, t'es fou. Allez, je prépare tout. Les bretzels, les classiques. C'est quoi ces trucs chinois, là? German. Macaron. Macaroni. Mais pourquoi mes deux bretzels, ils dépérissent, là? Lui, il veut ça. Alors attendez, 1000 watts, milk blueberries. Milk blueberries, c'est bon là? Ah, c'est des céréales. Bah, lui, il a pioché là-dedans. Le coup du HS, j'ai vraiment pas compris. Classique. Entrée. Faut refaire là, classique, comme ça là. Et là, ça va les prendre pour eux là? Nettoyer les chiottes. Déjà, bah dis donc. Bande de gros peurs, là. Le coup des HS, j'ai vraiment pas compris. Oh, il en veut 3, là. Ah ben si, voilà, c'est bon, là. Yosh! On a réussi. Regarde, je prépare mes trucs à l'avance. Allez, virez-moi ces chiottes. Je prépare mes trucs à l'avance, je suis un fou. Je suis un malade. Ok, j'ai compris. Choc crisp. Ensuite, milk, banana. Banana split. Attention, ces trucs-là, ça va dépérir hein, s'ils mettent trop de temps à en demander. Rush hour alerte. Déjà? Mais c'est pas possible. Je vais préparer des bretzels German. Voilà, bien joué. Il faut cliquer dessus hein, pour le valider. Load dishes, begin. Oh putain, faut que j'attende. Release, reload, sanitize. Ça, c'est plus chiant à faire. Oh putain, ça y est, c'est le rush hour. Miwits, milk. Attendez, j'ai plus le temps là. Strawberry. Banana. Lui, c'est bon. Lui, qu'est-ce qu'il veut? Fiber blast. Milk. Voilà, monsieur est servi. Celui-là, c'est fait. Lui, open brush, ice fill, seal. Heureusement que j'en ai fait à l'avance. Hein. Juicy O. Plus milk. Plus strawberry. Monsieur est servi. Eux là. Butter, steak. C'est quoi ce truc? C'est simple à faire. Butter steak. Lui, là, vite. Il va s'impatienter. Ouh, open trap, close, sanitize. On est parti. Lui. Pour l'instant, c'est pas compliqué. Hein. Faut juste être rapide. Hein. Fiber blast. Milk. Evil slash. Lui, c'est bon. Ensuite, cornflakes. Milk, blueberries. Faut faire preuve de... Ah, j'ai plus de bretzel, fait chier. Je vais faire des bretzel German. Eh ben, c'est pas bon, là. Qu'est-ce que j'ai foutu comme connerie? Steak, gravy. Coup de gravy. Ah merde, j'ai pas satisfait. Qu'est-ce que j'ai foutu comme connerie, là? Butter steak, y a pas le choix, c'est simple. Des pretzels classiques, je vais faire. The basin. De quoi je les ai pas fait, là? Ah merde, des gravis, je me suis trompé. Après, il faut les servir, je suis con. Depuis tout à l'heure, je fais que de la merde avec ça, là. Il y a 3 sortes de gravis différents. C'est pour ça qu'ils sont... Pourquoi il est pas content, lui? Butter steak, c'est en train de cuire, monsieur, ça arrive. Mash. Fallait foutre des coups de pied dans notre poubelle, là. Mais ils veulent plus de bretzel! Alors que j'en ai foutu plein en avance. Je sais pas si je joue comme il faut. Voilà, des bretzels, bien joué. Ça allait dépérir. Lui, des céréales, qu'est-ce qu'il veut? Cornflakes, c'est le matin. Hein. Milk, c'est bon. Lui, là, qu'est-ce qu'il veut? Steak, M gravy. Ouais, c'est bon, là, fais pas chier. Je fais un très bon maître de restaurant, t'as vu? Je sais parler aux clients.
Fiber Blast. Attendez, je peux pas vous lire pour l'instant. Milk. Blueberries. Rush Hour Alert. Nettoyez-moi ces chiottes. Je peux pas mettre pause. Les steaks. On s'en bat les steaks. Lui là, qu'est-ce qu'il veut? Basine, Icefield, Seal. Il faut bien penser à valider à chaque fois. C'est, pas, c'est compliqué. Hein. J-Hoons. Milk. Oh putain, ça y est, c'est le Rush Hour. Allez, Butter Steak, ça, et on va le mettre à cuire. Set Trap, Sanitize, c'est parti. Lui, qu'est-ce qu'il veut, monsieur? Choc. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Désolé, c'est le Rush Hour, hein. Désolé si je suis un petit peu tendu. Choc Crisp. Milk banana. Steak, qu'est-ce que vous voulez, monsieur? Gravy, c'est parti, c'est instantané avec nous. Steak au gravy. Mais pourquoi ils sont pas contents? Je comprends pas. Il faut que j'attende avant de valider. Ouais, heureusement que j'ai mis ces trucs-là. Celui-là, il est pourri. Ah, je lui ai pas servi quand c'était cuit. M gravy. Ouais, c'est ça. Je l'ai servi trop tôt. M gravy. Lui, il est content. J'ai cliqué trop tôt sur le truc. Merde, j'ai plus de bretzel. Qu'est-ce qu'il veut? Classique. German. German suplex. Je vais refaire des classiques aussi. Oh putain, c'est calmé. Juicy O. Et Milk. Je perds ma concentration, ça a plus du tout là. M-Witz. Milk. C'est parti. Lui là. Voilà, bien joué. Monsieur est servi. Cornflex. Non, c'est pas ça! Je peux pas annuler! Fatch! Il est pas du tout content. Fiber Blast. Milk. Tu vois, tant que l'horloge n'est pas terminée. Allez, ça va rentrer, t'inquiète. Hein. À force de foutre des coups de pied dedans. Ah, ces machins-là, ils se sont gâtés. Hein, ça va pas du tout. C'est pas très vegan, tout ça. Hein. Allez, ça, c'est fait. Maintenant, là, faut que je le serve. Quand c'est en arc-en-ciel. Ouais. Toilette flush, c'est parti. Putain, ça dure longtemps, les jours. Il n'y a jamais de fin dans ce jeu. Tu peux pas refaire des classiques, le jeu te demande des germanes. Les clients ne commanderont que les germanes si le jeu t'a demandé d'en faire. D'accord, ok. Nettoyez-moi ces chiottes. Vous, les deux crotteux, vous êtes de corvées de chiottes. Oh. On a fini la journée. Oh putain. Dodo, 34 heures, hein, ce soir, en mode kangourou. Regarde juste le dernier conseil mis en surveillance, va voir le catalogue avant de quitter le jeu. Alors attendez, qu'est-ce que vous m'avez dit là? Tu le regarderas 10 fois pour la prochaine fois comme punition. Merci les gens. Tu peux escape. Sur chaque action, tu vois une lettre généralement en rapport avec l'action ou l'ingrédient genre B pour banana. En appuyant sur B le raccourci, tu vas accélérer ton touche. Ah mais putain, c'est plus compliqué que ce que je pensais. Et c'est Camille qui a dit ça. Tu vas accélérer ton touche par minute de 200%. Alors attendez, si j'ai bien compris. Sur chaque action, tu vois une lettre. Généralement, à part avec l'action C, B, banana. Faudrait que je regarde la rediff du live, hein, tu sais quoi. Donc s'il y a marqué B à gauche, là, quand ça défile, avec les clients, t'appuies directement sur B. Ça te le met direct, c'est ça? Chef L4, tu vas bouffer ton bretzel. C'est ça, on va lui mettre dans la bouche en mode avec un chausse-pied. Hein. T'inquiète. Hein. Oh, mais ça va, on n'était pas trop dégueulasse, non? Merci Steph pour le truc. Absolument, un corn dog en station de préparation en haut. Tu as fait l'autre choix de bretzel que celui demandé. D'accord, je croyais qu'on pouvait le préparer en avance, même que... Salut Orozco, bienvenue à toi. T'as raté les kebabs. Je veux bien accélérer mon toucher de 200%, bien. L'inspection sanitaire passe, la clé sous la porte, c'est ça. On n'est pas aux normes. Avec l'habitude, tu pourras retenir les raccourcis plus vite. Oh putain, mais c'est chaud, sérieux. Mais c'est vraiment pas mal ce jeu, tu sais quoi. Moi, je croyais que c'était beaucoup plus simpliste que ça. Bien, 10 combos. Une locomotive, ça va nous servir à quoi pour un resto? DCSD. Un zèbre. Maintenant, on peut faire de la viande de zèbre. Bien joué. J'ai que 2300 balles, mais putain. Et j'ai 8... You got mail! J'ai 8 emails. C'est quoi, ça? Oh!
Haiku, Salt and Pepper, Welcome to Terragon Tower, Welcome. Welcome! Putain, ce jeu, il est plus compliqué que ce que je pensais, hein, tu sais quoi. Mais là, c'est panique en cuisine, hein, clairement. C'est un truc de fou. Mais celui-là, il tourne, t'as vu? Contrairement à l'autre. Moi, je pense qu'on n'a pas été trop dégueulasse, hein, tu sais quoi. Mais on le refera, ce jeu, tu sais quoi. En plus, il est rapide à télécharger, tout ça. On le refera, on essaiera de devenir un vrai Philippe Etchebest. Hein, mais ça va être costaud. Merci pour vos conseils, hein, les amis. Et désolé pour ce bordel au début du live, comme d'habitude. Enfin, au début du jeu. Mais on a connu pire. Salut, Ced, bienvenue à toi. Les toilettes de ton resto sont bouchées. Ah putain, faut acheter des trucs en mode quack shot, là. Nikki enfermé dans un piège. Il n'est piège dont on ne sort. Quoi ? Pour info, il faut acheter des ventouses, c'est ça. Ce serait plus relax de carrément ouvrir ton vrai resto, c'est ça. Un peu de roleplay, le catalogue pour voir tous les plats. Oui, ça, j'avais pas compris. J'avais pas vu où c'était. Je vous recommande à tous la série, pas très cher en plus. Ok, donc encore une fois, le nom du jeu, c'est Cook Serve Delicious. Voilà, avec quelques points d'exclamation par-ci, par-là. Non, c'est bien, tu sais quoi, j'aime bien. Et celui-là, au moins, il marche, hein, j'ai envie de dire. Il marche! Mais voilà, c'est ça être auto-entrepreneur. Hein, savoir son. Gérer le personnel, tout ça, les chiottes, les sanitaires. Oh putain, c'est le merdier, je pourrais pas faire ça. Hein. Non, c'est bien, tu sais quoi? Un peu de dispucie. Bon, allez, écoutez. Petite pause, et on se retrouve dans 2 minutes pour le troisième et dernier jeu de ce live tout en folie. A de suite, les amis, qui j'espère tournera mieux que celui qu'on a essayé de faire maintenant, là, et qu'on n'a pas pu. A de suite. Re, les gens. Voilà, bien, Wizbot qui spoil. Salut, Amo, bienvenue à toi. J'ai perdu toutes les neurones. Allez, on y va. Ben, comme Wizbot vient de vous le montrer, on va passer sur Yooka-Laylee, hein, le premier. Pas le Lair of the Impossible, mes couilles, là. Je l'ai déjà lancé, hein, le jeu. On va bien voir si ça marche. J'y ai jamais joué, hein. On va le découvrir en live, comme d'habitude. On va bien voir ce que ça donne, ce jeu de David Wise. Non, de certaines personnes de l'ancienne équipe de Rare. Eh, bah ça commence bien. OBS, il veut pas le prendre. Attendez, il faut que je remette le son aussi. Où est ma souris? Parce que j'avais coupé le son. Hein. Parleur, mélangeur. Voilà, c'est bon. Tu sens un petit peu la patte Banjo et Kazooie, hein, je suppose. Alors, fais voir. Capture de... fenêtre. Oui, voilà, c'est très bien. Splendide. Re-Aizen. Re-bienvenue à toi. T'as raté quelques fails. Et t'as raté une panique en cuisine. Avec un invité spécial, Philippe Etchebest. Eh ben, je peux pas jouer à la manette encore une fois, là. Putain, mais qu'est-ce que c'est que cette manette de merde, là? Doudoum. Doudoum. Ah, je suis con, j'ai pas lancé DS4 Windows. C'est pour ça que la manette, elle marche pas. Hein. Doudoum. Oh non, ça recommence! Des Doudoum à l'infini! Ah, voilà, c'est un petit peu mieux, quand même, hein. La manette marche. Bien, splendide. J'ai vu une offre, 87, débarque dans la ville, c'est ça. Grande cœur cop, tu as que fait, le live, Vincent Ropion, sérieux? C'est quoi, c'est quand? Qu'est-ce que c'est que cette histoire de live? Je suis pas au courant. Qu'est-ce que c'est que ça, Amo? C'est sûr, il a une chaîne Twitch? C'est Philippe Lachaud qui va faire un live?
J'ai raté le fail, le cauchemar. C'était maintenant. Non, c'est quoi ce truc? Nouveau ça, par contre, j'aurais bien aimé... Oui, oui, on a fait cauchemar en cuisine, le jeu vidéo. Ivory Towers. Eh ben, je peux pas passer les cinématiques une fois de plus, là. Fais chier. Le stream VF de Donald Renew. Non! Mais je regarde pas! Il y aura la rediff sur sa chaîne. Il reçoit Vincent Ropion dans son stream, il live en même temps que toi. Mais non, abusé! Tu auras la rediff d'ici une semaine sur sa chaîne. D'accord, merci. Non, c'est abusé. Je savais pas. On apprend des trucs sur Nicky Larson. Donc, Orozco, voilà, tu sais quoi faire, toi aussi. Dans une semaine, t'auras la rediff sur sa chaîne YouTube de Donald Renew avec Vincent Ropion. Ça, c'est énorme. Merci pour l'info, hein, Amo. C'est sûr que je peux pas passer plus vite, les dialogues, là. Ouais, regardez, il fait des lives avec plein de doubleurs, c'est vrai. Christophe Lemoyne, ils ont parlé de Mighty Max, c'est ça? Sinon, ça m'intéresse pas. Hein. Donc ça, c'est le grand méchant du jeu, je suppose. On apprend qu'il a failli ne jamais faire Nicky. Ah, c'est énorme! Il a mis Nicky Larson dans le top 10 des films de 2019. Ah ouais, quand même! Nice, effectivement. Énorme. Il était numéro combien sur 10? Quackshot. Le docteur Quack. Doc Rogers, Capital B. Mais enfin, pour qui vous prenez-vous, monsieur Larson? Vous n'êtes pas au-dessus des lois, vous devez payer vos dettes. Bien, Aizen. Oh non, je vais prendre ça, je vais vous le confisquer. Ils m'ont pris mon revolver. 8, il me semble. D'accord, bien. Dans une année où t'as eu des films comme Star Wars 9, etc. Bah, c'est bien. Mais putain, c'est ça fait chier ces trucs là. T'es sûr que je peux pas passer plus vite? Attends, je vais faire un petit coup d'œil dans les options. Je peux même pas passer plus vite les dialogues. C'est pas des vrais doublages, c'est des... Mais ça gêne pas si on les passe, là. Star Wars 8. 9. Sirototo, Rogers... Sirototo, continue de diffuser... Ouais, c'est vrai. Tu me l'avais dit. C'est comme Banjo, le début, c'est des cinématiques. D'accord. Le français, boue, c'est nul, comme d'habitude, on sait pas apprécier les bonnes choses. Non, c'est bien que... Que Nicky Larson... Oh bien! Brut! Que Larson est toujours diffusé au Japon. Dans le... Oula, ça rame. Qu'est-ce qui m'arrive? Ça y est, ça va recommencer. On va encore avoir des problèmes de jouabilité. Des problèmes de PC. Il se passe des trucs pas très catholiques dans ce monde. Énorme. Je te jure, au Japon, ils sont au taquet, les séances de ciné ont été rallongées deux fois, truc de fou! C'est hallucinant! La show va avoir... va gagner une fortune grâce au Japon, alors qu'en France, il a été que 80% rentable. C'est les Japonais qui vont nous sauver la mise, et grâce à eux, on va avoir une suite. T'imagines? C'est un truc de fou! Ce qui se cache sous les planchers... Des insectes, évidemment, qu'est-ce que tu crois? Aujourd'hui, on continue, en février, on continue, profite pour remettre Private Eyes, c'est énorme. La folie City Hunter, grâce à Philippe Lachaud. Ça, c'est excellent, hein, franchement. Un trésor de pirate, je parie qu'il vaut de l'or à l'air ancien Tipiak. On va essayer de le vendre. On partage les gains 50-50, évidemment. Oula, il a une tête bizarre, ce livre. Il va essayer de nous manger, comme à chaque fois qu'on a des niveaux dans les bibliothèques, sauf qu'on n'est pas dans une bibliothèque. Une page se tourne. Et ouais, c'est triste. Jarod.
tellement que le caméléon, on entend l'onomatopée. C'est ça. Il se passe des trucs pas très catholiques, je t'ai dit. Avec cette chauve-souris et ce caméléon, moi j'aurais pas confiance. On y va ! Ça a ramouillé un petit peu, mais ça a l'air d'aller, là. Qu'est-ce que c'est que ça ? Je peux pas jouer aux flèches directionnelles. J'ai l'impression que le jeu ramouille un petit peu, hein, chez vous. On peut jouer que au stick analogique, c'est quoi ces conneries, là ? Pour un jeu qui se veut old school. Ouah ! Ok, ils veulent que je fasse quoi, là ? Un double saut ! Qu'est-ce qu'il veut ce serpent là? Là je peux pas ouvrir ça là. Bonjour monsieur le serpent. Qui sont ces serpents qui sifflent sur nos têtes? Voilà, je peux passer plus vite par contre. La chauve-souris, bien joué. On peut dire ce qu'on veut, ce jeu, la bande-son est quand même cool. Même 2 ans après, je peux toujours les fredonner. Snake! Bien joué. Eh ben, je peux pas ouvrir ça, là. Qu'est-ce qu'il m'a dit, ce trou du cul, là? Trouvez-moi 5 plumes et je vous en dirai plus. Et puis quoi encore, s'emballer un Mars? T'es sûr que je peux pas ouvrir ces machins, là? Pourquoi il y a ces abeilles de merde en haut à droite, là? C'est le curseur de la souris, je suppose, hein, en temps normal. J'ai un hoquet, je sais pas ce qui m'arrive. Faut que quelqu'un me fasse peur. Pour que ça s'arrête. J'ai une langue. Je suis en train de faire des cunis. Regarde-moi ça. Vous donnez un coup, mais c'est peut-être à débloquer. Au début, t'as rien, faut débloquer d'autres mouvements. D'accord, merci. Je peux même pas planer avec la chauve-souris. Merci pour les chauves-souris. En fait, les abeilles, ça m'indique le... C'est un GPS, non? Ça m'indique où je dois aller? Non. Je crois que c'était un espèce de fil d'Ariane à la Dead Space. Y a pas une map? Oula, c'est quoi ce truc? Si, j'ai aussi un coup de queue là. Chouette de la froid, bien joué, débute à rien, donnez un coup. Oh, c'est quoi ce truc? What? Je passe à travers le décor, j'ai rien compris. Non! Eh ben, première mort! Voilà, bien joué! Bien joué du con! Je me souviens même pas que c'était là, ça a peut-être été rajouté par une mage. Ah ben là, on les voit plus, regarde. Je crois que c'est le curseur de la souris, hein, en réalité. Alors, faut voir, je vais essayer de détruire ce truc. Voilà, bien joué, Aizen. Une plume. Il faut faire un coup de queue, hein, pour ouvrir les coffres. Sona! Donc lui, il veut que je trouve des plumes. Oh, ça, saloperie. Pour l'instant, j'en ai que 2. Il en veut 4 ou 5? Je me rappelle plus, là. Oh, c'est fumier. Pour l'instant, on en a 3. Et il y a un autre coffre là-bas, normalement, si je me souviens. Je m'attendais pas à ce que ça commence comme ça, le jeu. Oh, ah. Ouais, ce coffre-là, là. Tutoriel 4, c'est toujours un plaisir. Ah, attention! J'ai failli tomber dans le trou, t'as vu ça? Voilà, on est à 4 plumes. Ça va, il tourne bien, le jeu, là. On est qu'en 720p, hein, et en qualité moyenne, hein, il me semble. C'est pour ça que là, le jeu est pas au top, hein, au niveau graphique. Alors, monsieur le serpent, là, voilà vos 4 plumes. Ah, 5, fais chier! Merde, c'était 5. Il faut que je trouve un autre coffre. Petit, où sont les coffres? Où sont les femmes?
On est d'accord que ça, c'est pas le même pont, là, ce truc. Ah, si c'était le même pont, fait chier. Là, t'es dans le hub du jeu, essaye au moins d'attendre le premier. Oh là, d'accord. J'avais pas compris. C'est en trouvant les 5 plumes. Où est-ce qu'il est le premier niveau? Parce que ça me semblait bizarre que ça commence comme ça aussi, le jeu. Ah, là, le truc. Voilà, 5 plumes. Ah, voilà, tout de suite. Ça se fait automatiquement. Rafraîchir la mémoire. C'est en lui donnant les 5 plumes au serpent, là. Il en reste 13 minutes pour trouver le premier monde. Non. 20 minutes chez moi. Je comprends pas, il rend hommage au Hooper, c'est ça. Mais je m'en doutais qu'il fallait trouver les 5 plumes hein, aussi en même temps. Qui aux auteurs, où est notre livre? Le livre dirigeait la société. Et moi-même pour vendre certaines techniques, laisse-moi vous ouvrir. C'est ce qui me semble. Le livre trouvé, les plumes. Mais je lis pas les textes aussi. C'est ça le premier niveau? C'est quoi ce truc? On dirait portal. En appuyant sur Space de nouveau une fois en l'air, un double saut. Ouais, alors. Il faut se. Voilà. Cette voix. Donne-moi ça! Séquence sous-marine! C'est toi, ce qui me semble, 13 minutes en retard. Blablabla. Le dernier jeu, faut quand même pas rappeler l'heure. Pour que ça dure plus longtemps. Mais on est toujours pas au premier niveau. Hein. Tu as raison, mange un papillon. Comme dans Spyro. Prends ça. En mode Crash Bandicoot. Prends ça, saloperie. C'est ça le premier niveau? Ouais, ça va être le mot-clé de ce live. Ivory Towers. Caméra de sécurité! Accès interdit, c'est une propriété privée. Oh, casse les couilles, lui! Notre livre, il s'est passé par ici. Désolé, notre livre nous appartient, les réserves mondiales. On va brûler tous les livres, comme les nazis. Quelque chose de louche ici. J'aime bien casser l'ambiance, frustrer les invités. Ah ben si, voilà, je peux y aller, là, fais pas chier. C'est ça le premier niveau? Sous-marine, le moment, un coup de langue. Et la ruche. Les amis, par ici. Encore le serpent, il s'est téléporté, comment il a fait? C'est un serpent Indiana Jones, t'as vu? Tu es encore dans le hub? Mais non, tu te fous de ma gueule. Je suis obligé de le faire, ça, là? Mais dis-moi un peu, mammute. J'espère que tu apprécieras cet effort d'imagination de ma part. Elle veut venger son père. Le premier, c'est la jungle. Tu dois rentrer dans un bouquin pour y aller. Bah, c'est pas ça, là? Juste envie de relancer Banjo-Kazooie. Il faudrait qu'on le fasse en live, hein, celui-là aussi, tu sais quoi? Mais y a pas de remaster sur PC, c'est ridicule. À moins d'avoir le Xbox mes couilles, hein, Game Pass, je suppose. Faut que je fasse tout lui un jour. Ah ben bravo, c'est du joli. Ah ben si Mammouth vient avec nous, alors avec Mammouth, c'est Mammouth. C'est un détective privé qui s'appelle Mammouth. Je l'ai engagé pour vous protéger. Bien. Oui, un peu. Mais je m'attendais pas à ce que ça commence comme ça, là, fait chier. Ils auraient dû commencer directement par le premier niveau, là, hub de merde, là. Banjo en émulation marche très bien. Larry l'affaire. Et la ruche, bien. Le summum de plateforme 3D, c'est subjectif. Oula, attention. C'est quoi le délire de ces subjectifs avec BB300, là? Oh, attention. C'est ça, la page de livre dont tu me parlais, là?
Badum. Bien. Quoi? L'arçon? Oh, ça s'en est trop. Une pagie. Et toi, l'arçon, si tu veux sortir d'ici vivant, il te suffit d'abattre Marie. Qu'est-ce que vous attendez pour vous envoyer des boulettes à travers le crâne? Ça y est, je suis parti. On m'arrête plus, c'est fini. Merci, Roscoe. À cause de toi, le L4 va dire l'intégralité des 140 épisodes plus les 6 films. Une nouvelle quête pour nous? C'est quoi ces conneries, là? Ah! Quel vieux briscard des jeux de plateforme, ce L4. On a fait tout le tour. Harry Potter. Bien joué. Dans Banjo, c'est pareil, t'as la montagne perchée d'accéder aux autres niveaux. D'accord. Certains n'arrivent pas à comprendre que tout ce qu'on peut n'est pas une vérité, c'est ce qu'on a dit, et personnel, on le précise pas, on nous fait des remarques à la con. C'est quelqu'un qui avait dit ça dans un live, là, le live Pokémon ou je sais pas quoi, et depuis il met ça dans son pseudo sur Twitter. C'est devenu un mème sur les lives de BB300. Non, pour certains, il faut que ce soit comme ça, ça, ça et ça, t'as compris? C'est A plus B, on a dit. C'est mi-figue, mi-raisin. Ça, je sais pas. Non, mais il me semble que c'est ça. Hein. C'est après le live Pokémon, le Pokémon direct où il avait mis ça sur Twitter. Hein. Mais j'ai pas regardé en entier. Oh, voilà le livre! Le magicien d'Oz! C'est par là? Attendez, c'est où le livre déjà? J'ai pas fait attention. Merde! C'est où le chemin pour accéder au livre? Prends ça, saloperie. Plus que 14 minutes pour accéder au... Ah, je peux pas. Pour accéder au premier niveau. Est-ce qu'on va y arriver? Je promets rien. N'oublions pas que le plus important est de livrer Fortnite, c'est ça. Là, il va. Rien écouter des explications du serpent. Grimpe la pente avec ton nouveau mouvement. Ah, j'en ai un! Comment je l'utilise? Attendez, triangle, L1, R1... Ah, c'est ça, là? Ah oui! Bien joué! Merci, Devil! Sans toi, on n'y serait pas arrivé. Bien joué! Une pagie dans une cagine. J'avais même pas fait gaffe que j'avais débloqué un nouveau mouvement. C'est à chaque fois que je ramasse une page? Je vais d'abord en feuilleter quelques pages pour voir si je peux le lire dans son intégralité. Le pire Aizen, quand on précise que c'est personnel, on te restaure, tu ne parles que de toi. La baffe était pas loin. Et alors, comment je suis censé ouvrir ça, là? C'est quoi, ça? A-I-E-P-G. Putain, on dirait les lettres de rares. C'est au début, les lettres rares, c'était écrit comme ça, là. Dans Donkey Kong, là. Les lettres K-O-N-G, etc. Là. Non, je suis pas d'accord avec vous. C'est pas subjectif. C'est subversif. C'est pas la même chose. Ah, voilà le livre! Le quiz avance doucement, mais sûrement bien, Camille. Je voulais te demander, effectivement. Ça n'arrivera pas dans l'immédiat, je suis dessus. Splendide! Nickel! On va voir si vous connaissez bien le L4. C'est excellent. Pour rappel, le Camille est en train de faire un quiz sur le L4. Ça coûte une page pour déverrouiller ce monde. Ouais, on est d'accord que c'est ça, hein, le premier niveau. Sonic Boom. On y sera réussi. Voilà. On aura réussi à atteindre le premier monde. Oh, ha. Prout. Yosh! Et voilà, bande de mauvaises langues, là. Vous me prenez pour un hooper ou quoi, là? Regardez, non mais sans ce qu'avait dit Devil, je crois qu'on aurait galéré de ouf. Hein. Je pense pas que j'aurais pensé à écouter le serpent et appuyer sur R2 pour faire la nouvelle compétence. Je veux juste l'entendre, la mélodie du monde. Salaud! Ils sont partis dans le couloir du temps, le prout, un mot avec ses lettres. Écoutons un petit peu la musique. Pour l'instant, c'est de la merde. Hein. Je veux pas être méchant, mais... Prends ça. Alors, est-ce que ça fait des dégâts, ça, là?
Ouch! J'ai perdu un papillon! Culez. Ça fait pas de dégâts, ça les repousse juste. Yum yum! Bon, zéro difficulté, hein, les ennemis, pour l'instant. Mais c'est que le début. C'est sympa, hein, tu sais quoi? J'aime bien, hein, pour l'instant. Mais j'ai pas compris l'intérêt de la langue, hein. Le cunilingus, là. Ça sert probablement à quelque chose, mais... Le L4 est fier de lui. Avec ses allusions salaces. Marcelo Salas. Prends ça. Ah, je peux pas y aller, là. La musique du marais est énorme aussi. C'est excellent, c'est le même genre de thème que les banjos. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc, là? Lol, what? À quoi ça sert, ça? Un truc qui dort, là. Meunier, tu dors. Ça, enculé. Oh, il a traversé l'arbre, t'as vu? J'ai ramassé des plumes. Des plumes de phénix. Ah merde, pas par là! Pauvre con, c'est le début du jeu. Le début du niveau, t'es fier de toi? Mais les niveaux sont grands, hein, sont vastes, hein. Ça tu peux pas lui enlever. C'est pas un niveau de plateforme à la Mario, hein, encore une fois. Avec le niveau 1, niveau 2, etc. T'as qu'un seul passage, etc. Enfin, sauf Odyssée. Prends ça. Yay. Qu'est-ce que ça là? C'est quoi ce truc? Des lézards. Et ici, saloperie. Oh, je l'ai eu. Oh! Mais comment ça se fait? Personne n'y a jamais survécu! Libérez-nous tous les 5 pour un trésor interverti. Eh? C'est-à-dire. Capturer un ghoul impressionnant en effet. C'est très impressionnant, larçon! Jinjo, juste trop gentil, que veux-tu? Combien de francs a fumé le L4 a-t-il prononcé? C'est ça! C'est plus proche de 57 000. Astuce pour Noobus, tu as aucune interaction avec un élément, laisse tomber pour revenir plus tard quant à le mouvement. Bien. Je mérite 8, j'ai pas parlé de les ursuites. Plume de Yapcha, coup de langue, coup de queue. Peggy 18. Peggy 16. Bon, qu'est-ce qu'il veut, lui, ce trou du cul? Squelette. Attendez, je vais essayer de lire. J'ai l'air de souffrir de malnutrition. Sapristi, quelle chance de vous voir. J'ai été kidnappé par ces choses et kidnappé par des extraterrestres il y a 10 ans. S'ils ont fait, ils devraient essayer de trouver plus charnu que moi, mon chou. On peut être une exploratrice, Dora l'exploratrice, sans que le monde veuille vous cuisiner. Je vais te cuisiner, tu vas voir. Tu vas finir par avouer. M'enfuir, je vous donnerai une pagie. Faites vite, mes ravisseurs vont revenir d'une minute à l'autre avec des condiments. Le prince du condiment. Oh, il y a une quête annexe. On va sortir de là, vous inquiétez pas. Le prince du condiment. Les voix me font penser à gobelins. Des épreuves. Prends ça! Bon, pour l'instant, ils font pas un pli. Hein. On dirait des osselets. T'as vu? Osselets. C'est du plagiat, là. Hein. Nintendo va porter une plainte. Hein. Soupe de squelette. Qu'est-ce qu'ils racontent, ces trous du cul? Bah ça y est, ils sont tous morts, ils vont te faire foutre. Qu'est-ce qui va pas, là? J'ai terminé, non? Ah! Qu'est-ce qu'il fout là, ce trou du cul? Je les avais pas vus, ces enculés. Bon, ça va durer longtemps, ces conneries. C'est pire que Cuphead, hein, ce jeu. Tu dois protéger la meuf dans le chaudron. Je vous attends, les mecs. Les voix me font penser à Gobelin, vieux jeu de l'époque. Rien à voir au ciné en Belgique, ils ont interdit. Ils ont repris les sites du jeu vidéo pour les interdits. Peggy 16. Film 18 n'est plus interdit. C'est mort pour moi, Camille. Ma mémoire est saturée, déjà 7 ans. Je connaissais pas encore le L4.
Dans l'épreuve X, dit qu'un fruit l'attend, lequel? Oh, putain, même moi, je vais pas savoir y répondre. Hein. Mais je vous laisserai quelques semaines. Hein. Ben alors, bordel de merde. Allez, v'là! Heureusement, il est cool, il attaque pas. C'était le dernier. Le dîner a été annulé. Quoi? On a perdu? Oh oh. Je crois que ce simple mob, il nous a fait échouer la quête. Hein. Mais j'étais comme ça, en train de vous parler, et il y avait un mob ici, là, à gauche de la marmite, que je l'avais pas vu, puisque la caméra était comme ça. Il a continué de taper la vieille, et... oh putain, fuck it. Ah ok, d'accord, quoi. Splendide, ça a fait échouer la quête, pendant que je vous parlais. Je vous laisserai quelques jours, hein, quand Camille aura fini le quiz. Vous le ferez de votre côté, le jeu. Et de votre côté. Et au bout d'un moment, on s'est fouillé. Ah ouais, non mais ok, d'accord, quoi. Et au bout d'un moment, je le streamerai, hein, et je le découvrirai en live moi-même. Donc on va pas se spoil, hein, les mecs. Oula. Mais ça va être marrant, vous verrez. La muraille de Chine, c'est quoi ces conneries? Attention de pas tomber comme un con. Ouf. T'as vu, regarde-moi ça. Quel pro de la plateforme, ce L4, à défaut d'être un pro de la protection de PNJ, c'est énorme. C'est excellent, quoi. Ça, c'est le genre de truc qui arrive que en live. Hein. Oh, il est content, lui. Il en fallait 30 des plumes. Sauve la princesse de coup, la coupe la console. Par la nana, t'as gagné. Ah non, j'avais réussi? Non! Je croyais qu'on avait échoué la quête et qu'il fallait tout recommencer. Et pourtant, il y avait un mob qui était en train de la taper, là. Bon, attendez, il reste que 4 minutes, mais je vais essayer de retourner voir la fille. C'est quoi ce machin, là? Il veut me scanner, là. Il veut faire des trucs pas très catholiques, lui. Ça fumier. Alors, attendez, c'était par là, je crois. Hein. Alors, qu'est-ce qu'elle veut? T'as gagné la quête du chaudron, faut juste lui reparler. Oh, merci, vous avez... Putain, c'est bizarre! Pourtant, il y avait un mob. Je croyais qu'il l'avait tapé, qu'il avait annulé la quête. Et ben voilà, c'est bien. Splendide! Merci, les gens. Il me rend ouf, oufeur. C'est la même maladie, ils sont vraiment atteints. Non, mais c'est ce qui semble logique! Du fait que... Il y avait un mob pendant plusieurs secondes qui était en train de la taper, qui était juste à côté du chaudron, il fallait la protéger. Pour moi, c'est quête échouée, hein. Sauf que moi, c'est uniquement en live. Quoique. Bien, la page. Je peux ouvrir deux niveaux supplémentaires s'il faut. Faire autrement si tu préfères. J'ai pensé, tu donnes une réponse, le perso te dit c'est bon, t'as l'extrait. Ben, c'est comme le truc de Cacus Knight, là, non? Le quiz du Hooper. Non? Mais c'est bien de mettre l'extrait audio. Hein. Comme ça, on a la preuve que t'as pas fumé ou je sais pas quoi. Je saute sur place, tapant des pieds, c'est... Mais c'est pas vrai! Il faut faire ça! Bon, elle m'a dit de monter ici, là, non? Ah, Uncharted n'a qu'à se rhabiller, hein. C'est une forêt... Bon, on est d'accord, j'ai fait tout ce qu'il fallait, là! Merde, je suis Keblo! C'est ça, le Hooper qui se plaigne, qui peut pas recommencer tel mini-jeu. Le quiz qu'on a fait... Oui, bah c'est très bien. Prends ça! T'es obligé de finir la daube. Le pas mal Camille, chaud à programmer. C'est le début du jeu, les quêtes sont ultra simples. Faire autrement... Bon ça, on est d'accord que je peux pas le faire, c'est quoi? Vous faites une sacrée paire! Avec des seins. Nimble, ça vous fait la course? Oh non, pas la course, fais chier là. Ça implique Yuka. Bon allez, on teste, mais vraiment parce qu'il reste qu'une minute. La course nuage. C'est une course, tu vas galérer. Oh putain. Alors attendez, first try. Oh putain, ok, d'accord. Ouais, mais il nous montre le truc au début là. Mais moi je suis à pied. Passe toutes les portes, l'emporte. Ouais, quel humour. Allez, on y va. Ah fuck, je me suis kéblo sur ce truc là.
Ça commence. Mais dès que j'aurai plus de roulade... Mais il est rapide, cet enculé! Mais je suis obligé d'attendre que ça remonte! Mais non, comment tu veux? C'est pas possible! Tu peux pas! J'ai plus d'énergie! Mais je peux pas si ça remonte pas, le truc en haut à gauche, là. Il faut que je m'arrête? Oh, ah, ok, d'accord, il faut que je m'arrête. C'est ça qu'il faut faire. Oh, c'est super chaud! Il faut que tu fasses ça sans arrêt, mais moi, dès le début, j'étais mal barré, hein. Je me suis encastré dans le mur, là, espèce d'enculé, là. Bon, on va déjà se contenter de la faire, hein. Larry l'a fait. Ouais, tu t'arrêtes. Bah, ça remonte plus, là. Non, c'est un peu... C'est impossible. Faut revenir quand on aura le super, super, super accélération, mode turbo, ou je sais pas quoi. Non! J'ai fait oui, quel con. T'as une jauge verte d'endurance en haut qui est foutue. Choper les papillons sur le parcours, non! Ok, d'accord, c'était comme ça. T'es sûr qu'on peut le finir dès maintenant, là? Bon, il est 17h, normalement, faudrait s'arrêter, mais bon. Hyper vitesse! Ah, d'accord, c'est les papillons qui rechargent. Je croyais que ça rechargeait la vie, en fait. Bon, là, déjà, j'en ai raté. C'est mal barré. Bon, laisse tomber, ils ont fumé, là. Là, il y a des papillons, mais l'autre, il va nous rattraper. Ouais, voilà. Chier, là. Attends, je les ai rabassés, là. Mais pourquoi... Pourquoi ça recharge que 10 minutes plus tard, là? Ah, là, ça l'a fait automatiquement, là. Bon, cette fois-ci, je le vois. Il est en ligne de vue. Bon, attends, le truc, il est sur le pont. Comment tu veux? Voilà, là, je suis d'accord, ok. Là, on a le bon rythme. Bon, fallait passer à droite, comment tu veux. La perspective, elle te le montre pas, là. Bon, on est déjà allé plus loin que tout à l'heure. C'est dommage, il est pas loin, cet enculé. On y était presque. Relativement parlant, Duel 4... À mon échelle, on n'était pas si loin. Hein. Moi, je dis, pour un mec qui a jamais joué au jeu, c'est pas dégueulasse. Hein. Bon, bah écoutez, on va s'arrêter là pour ce live tout en folie. Tu m'as dit que tu galérais. Tout à fait faisable à ce stade, pas louper les papillons. C'est ça. Attrape le nuage magique. C'est ça. Rayon magique! Bon, bah écoutez, merci à vous d'avoir été présents pour ce live tout en folie. C'était cool, c'était assez sympa, c'était assez drôle. On a galéré, on a fait un petit peu que de la merde aussi. Mais c'était vraiment pas mal de ce point de vue-là. On a fait tout ce qu'il fallait, on a fait du mieux qu'on pouvait. N'oubliez pas les jeux gratuits. C'est ça. Merci à vous d'avoir été présents. Bon week-end, bonne soirée à vous. À la semaine prochaine pour 3 nouveaux jeux. Pour un nouveau live tout en folie. Je serai pas présent la semaine prochaine, d'accord. Gros event. Et on verra bien ce qui va se passer pour pour les prochains jours, tout ça. En espérant qu'on va moins galérer pour pour la prochaine fois. Allez, à plus, les amis. 2 pour les petites bourses.